Israël a visé un avion de guerre syrien sur le plateau du Golan. On ignore si l'appareil a été touché ou abattu. L'État hébreu affirme qu'il était situé dans l'espace aérien israélien. Damas, de son côté, affirme qu'il opérait dans le sud de la Syrie contre des zones rebelles. Le plateau du Golan est occupé et annexé par Israël depuis la guerre des Six Jours en 1967. Les deux pays n'ont jamais conclu de traité de paix. Tzahal affirme avoir tiré des missiles Patriot en direction de l'avion. Elle affirme ne disposer d'aucune information sur le sort du pilote.